Comment expliquer ceci? Les autocorrections matricielles surviennent lorsque nous faisons face à des glitches, des anomalies. En résumé, vous pouvez vous rendre compte d'un glitch, cependant vous ne serez en aucun cas en mesure de le vérifier et de le confirmer. C'est ceci l'autocorrection matricielle. Le terme clé, comme toujours, est la modalité de paramètres de configuration. Nous n'employons pas ces termes pour rien ou afin de philosopher. Le fait qu'il existe probablement de meilleurs explications, mais certains événements que nous arrivons à expliquer ne le sont que par certains termes clés dont nous sommes probablement limités. Mais souvenez-vous de ce terme en parlant de l'algorithme de la matrice. Au sein de votre ordinateur ou laptop, vous avez une catégorie de termes similaires. Et ce n'est pas pour rien si c'est exactement les informaticiens, les scientifiques qui parlent de glitch matriciel, etc. Puisque l'ordinateur est configuré pareillement, la configuration, c'est aussi l'activité qui consiste à modifier des paramètres de configuration. C'est une activité typique de l'administration système. Le titre d'administrateur système désigne la personne responsable des serveurs d'une organisation, entreprise, association, administration. Voilà donc, vous savez que cette catégorie est en mesure de faire usage d'autocorrection automatique en lieu et place de manuel et certaines fois des deux, aussi fou que cela puisse paraître. Certaines fois, il existe des lieux où des glitches arrivent et disparaissent. C'est une bavure et le tout reprend normalement, comme si rien ne s'était passé. Ceci constitue une forme d'autocorrection matricielle, en ce sens que le fait en question n'alarmera pas beaucoup de gens, ou sinon juste pendant 5 minutes, et la vie reprend normalement. Mais devinez quoi? Les autocorrections matricielles ne surviennent pas que par ces faits surnaturels. Il existe également certaines institutions prenant part aux autocorrections matricielles. Accrochez-vous, vous pouvez être surpris, bien que ça ne l'est pas vraiment. Les hôpitaux, par exemple, est une institution prenant part aux autocorrections matricielles et régulations matricielles. Les hôpitaux régulent, si vous ne le savez pas, quelque sorte, nous le répétons, en quelque sorte, le quota de vie et de mort des gens en société. Comment cela? Il est souvent fait mention de négligence médicale. Ce qui est sûr est que l'hôpital ne constitue en rien une garantie de vie, ou si vous préférez, l'assurance de sortir en vie de cela. Vous me direz que c'est normal, puisque certains cas, certaines situations sont irrémédiables. Et vous avez raison, mais ceci est loin d'être le cas pour tous les cas de figure. Une fois de plus, nous faisons mention des erreurs médicales. Vous apprendrez probablement que certaines erreurs ne sont pas vraiment des erreurs, mais délibérées. Nous voulons simplement venir au fait que les hôpitaux savent d'avance qui garder en vie et qui ne pas garder en vie. Au moment de l'admission au niveau de l'hôpital, il est créé un dossier, un archive par rapport aux patients. Lorsqu'il n'existe pas de cas d'urgence et parfois même durant les cas d'urgence concernant la vie et la mort, en supposant que cela soit vrai, les hôpitaux ont une fonction de régulation entre la vie et la mort. Et si vous avez vu la vidéo, nous avions réalisé une vidéo intitulée Quota de la vie et de la mort. Dans celle-ci, nous avons mentionné la loi de l'accident. Il a été dit que les gens vivant sous la loi de l'accident sont les individus les plus susceptibles de mourir de quelque façon que ce soit. Ce que nous avons oublié de vous dire est que le quota de vie et de mort des gens vivant sous la loi de l'accident rentre dans un cadre beaucoup plus profond, mais cette fois-ci de l'algorithme de l'autocorrection matricielle. Pourquoi et en quoi consiste cette autocorrection matricielle? Le contrôle de la population, comme vous pouvez vous en douter. Où voulons-nous en venir? Si 5 000 personnes viennent à naître chaque jour, il faut, selon l'autocorrection matricielle, qu'au moins 5 000 autres personnes, moins ou plus, meurent également. L'autre chose est que la quantité des gens prenant la porte de la matrice, la mort, sont des gens vivant sous la loi de l'accident. Ces séries d'événements agissent comme une forme de régulation matricielle. Quelle autocorrection matricielle en supposant que nous ne mélangeons pas les termes autocorrection matricielle et régulation de la matrice qui serait peut-être plus correct dans ce cas précis. La régulation matricielle automatique constituerait une forme d'autocorrection matricielle, bien que la quantité de gens vivant sur Terre ne cesse d'augmenter. On augmente en quantité, pas nécessairement en qualité. Ceci dit, je ne suis pas en faveur des catastrophes. Puisque les gens ne sont pas en mesure de résoudre leurs problèmes, on crée de l'extérieur. Donc les trucs cosmiques sont des genres de régulation matricielle, comme dit dans la précédente vidéo au sujet des comètes et comment se protéger, etc.
Donc, en revenant au sujet de l'hôpital, si la personne est âgée et qu'elle est souvent malade, il se peut que le personnel médical entreprenne délibérément des mesures afin de conduire celle-ci vers une mort lente, ou plutôt rapide. Comment en être sûr? Nous avons fait 3 semaines sans faire de vidéo. En réalité, c'est car nous avons été confrontés à une telle situation. Pas moi, mais un proche. La meilleure façon de ne pas être victime de la loi de l'accident est de savoir qu'il n'existe pas vraiment de loi d'accident en tant que telle. La loi de l'accident est le résultat d'une certaine forme des consciences d'âme et de portail organique vivant au sein de la société. Donc, comment éviter cela? C'est simple, il suffit juste de connaître la vraie cause de la loi de l'accident et que les autocorrections et régulations matricielles ont lieu. Il faut aussi savoir qu'il est possible de ne pas vivre sous la loi de l'accident. En ce sens, il est plus difficile pour vous, comme pour nous, de mourir avant notre temps. En sachant cela, il vous est même rajouté des années de vie supplémentaires, bien qu'en réalité tout le monde meurt en son temps approprié, qui est la fin d'une leçon. Une fois de plus, c'est un sujet assez compliqué où il semble exister des contradictions, mais la nature contradictoire de densité 3 explique ceci. Sur quoi donc reposent ces régulations matricielles au niveau hospitalier, souvent l'âge de la personne en question, sa santé sexuelle, son niveau et ratio pour ce qui est du système immunitaire. Puisque votre niveau de système immunitaire constitue également votre ratio de santé sexuelle. Nous avons déjà parlé d'énergie et de la taxation entreprise par la société, les institutions. Plus vous avez à donner en termes d'énergie, plus la régulation matricielle effectuée par les gens du staff médical maintient la personne en vie puisque celle-ci génère de la ressource, de l'énergie, même si vivant sous la loi de l'accident, à moins que vous soyez un conspirationniste, que vous soyez étiqueté en mode danger. Il convient de dire qu'une personne âgée, infirme, impotente sexuellement, a beaucoup moins à offrir à la société. Donc, du point de vue de la logique froide du staff médical, celui-ci a tendance à conduire l'individu en question vers une mort lente. Si vous avez des gens âgés sous votre garde et si quelque chose arrive, mieux vaut ne pas les envoyer aux hôpitaux pour les raisons mentionnées précédemment. Ce sont surtout ces genres de personnes qui font les frais du staff hospitalier, sans même parler du concept d'assurance de vie qui est une demeure. Mieux vaut voir les médecins alternatifs, etc. Donc, si vous voulez survivre, vous devez apprendre de vos tribulations, de vos troubles afin d'en ressortir plus fort. C'est psychique et mental. Si c'est votre cas, il vous est impossible de recevoir une balle perdue, une pierre perdue. Vous ne viviez plus sous la loi de l'accident. Vous êtes même trop conscient. Vous ne vivez plus sous l'auspice de la force. Vous agissez via le plan de la force. Et c'est assez facile. Si vous voulez plus de force, il ne suffit que d'apprendre à conserver son énergie. Et vous sortez petit à petit de la loi de l'accident. Et vous ne vivez plus sous la loi du plan de la force. Si vous maîtrisez ceci, les tribulations ne durent plus une année, etc. Évidemment, il y a beaucoup plus à dire concernant les autocorrections matricielles et régulations matricielles, mais les exemples donnés sont assez exacts. Ceux-ci ne font que parler de glitch matriciel et ceux du domaine hospitalier, mais nul doute qu'il n'en existe beaucoup plus.